Les Laurentides sont remplies d'organismes communautaires dont les équipes font des miracles et soutiennent notre communauté de belle façon. La file ne fait pas exception. Dans le but de découvrir cet organisme et leurs activités, je reçois sa directrice, Sophie Dion. Bonjour bon Julie. bonjour Madame Dion, ça me fait plaisir de vous recevoir. Moi, bon, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est une belle clientèle. Vous avez un bel organisme. Vous êtes entouré oui. d'œuvres de, de, d'ailleurs de cette clientèle là. Oui. D'abord, la mission de cet organisme là, c'est quoi Ben, c'est d'abord et avant tout de faire de la défense de droit, mais de promouvoir aussi. Euh, euh, les droits de nos de nos membres faire de l'intégration sociale euh, s'occuper aussi de formation donner des ateliers comme de la sensibilisation à, à, à la violence euh, sur l'intimidation on a un camp de jour euh, Et vous êtes euh... Euh, existant depuis combien d'années justement L'organisme a été fondé en 1981 par des parents d'enfants handicapés puis des gens de la communauté qui aimaient les personnes handicapées intellectuelles et puis on a 36 ans cette année. Puis est-ce que à 36 ans plus tard, on peut dire que l'intégration se porte mieux de ces personnes-là On en est où Est-ce que vous êtes à même de regarder le chemin parcouru puis de voir ce qu'il nous reste à faire comme route justement Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Puis c'est une des raisons pourquoi on amène les marionnettes oui. parce que c'est pour vous montrer tout le potentiel qu'ils ont quand on croit en eux. Puis ça c'est leur côté artistique, c'est eux qui choisissent les modèles, ils doivent accepter la critique, recommencer, euh, trébucher euh, alors, on est exigeant envers eux pour qu'ils donnent des beaux produits euh, aux gens, mais ils sont tellement capables de faire beaucoup. Il y a beaucoup de plateaux de travail euh, dans les Laurentides. Ça, ça s'améliore, ça change, mais moi, j'encourage les employeurs qui auraient le goût d'avoir une personne handicapée intellectuelle euh, chez eux, de les accueillir, de ne pas avoir peur. C'est souvent qu'on qu ne connaît, connaît pas leurs problématiques suffisamment, fait qu'on fuit un peu ce qu'on ne connaît pas nécessairement, on juge peut-être. Il y même. a beaucoup de peur qui est reliée à la déficience intellectuelle. C'est sûr qu'il y en a qui ont des troubles envahissants du développement. Euh, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Nous, c'est un organisme pour les déficients intellectuels légers. Okay. Et puis euh, la plupart sont très bien capables de fonctionner en groupe. Puis sont capables de vous parler d'eux mêmes Puis de leurs rêves, ils en ont beaucoup aussi. Puis grâce à votre organisme, j'imagine qu'on peut les aider aussi à mettre des mots sur ces rêves là, puis de voir que c'est possible. Abs On fait pas juste le rêver, mais que ça peut devenir concret tout oui, ça Oui, absolument. Nous. Un de nos, de nos... de notre mission, c'est l'autonomie. On donne des outils pour qu'ils aient des belles vies, qu'ils puissent s'exprimer, euh, qu'ils soient capables de dire leurs besoins, de les identifier, et puis euh, réaliser leurs rêves aussi. Et quel genre d'expérience de, on peut promettre promettre en guillemets, bien sûr, aux employeurs qui nous écoutent et qui voudraient justement avoir un de vos membres chez eux. Quel genre de relation on peut espérer euh, développer avec ces gens-là? Habituellement, là, ça, ça resserre les liens dans une équipe, parce que quand ils font partie d'une équipe, tout le monde finit par les aimer, et puis ils sont très fidèles, euh, et quand ils aiment, ils aiment beaucoup. Puis ils le disent, puis ils le démontrent, c'est des excellents ambassadeurs pour une entreprise. Et vous, comme directrice, comment vous décririez ce que ça vous apporte de pouvoir côtoyer cette clientèle-là? Dans tous les travaux que j'ai faits, c'est un des travaux où je me sens le plus utile. Euh, de travailler avec eux autres aussi, c'est au jour le jour. Euh, ils, sont, ils vivent le moment présent. Ils sont, la plupart du temps, quand ils viennent d'un organisme, très joyeux, joyeuse. C'est leur association. Ils se sentent comme chez eux. Puis ça paraît. Oui. Quand on passe la porte à la file, euh, tout le monde nous dit Mon Dieu, c'est lumineux ici, mais ça, ça part d'eux autres. Les marionnettes sont colorées comme ils sont colorés. Oui. Et comme votre chandail oui. est ça fait avec mon <laughs> On n'est pas plate. <rire> <rire> Exactement. Juste avant de parler des, des, des activités de financement, euh, en fait, j'avais l'idée de, de, de la défense, mon Dieu, je vais le dire, de la défense des droits. Oui. Euh, concrètement, quel genre de, 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 quel genre de droit on a à défendre pour ces gens-là? Entre autres, il y a eu des coupures dans le transport adapté. Il y a eu euh, des resserrements de budget euh, du ministère du Transport. Et voilà deux ans, on a eu à défendre ce dossier-là, euh, bec et ongle. Okay. Et ça a pris deux ans avant qu'on retrouve le service qu'on avait avant. Euh, il était coupé aux deux semaines pour le café Rencontre qui est... Le moment où, où ils viennent voir leurs amis, c'est un peu comme une maison des jeunes oui. ce soir-là. Et puis, c'est très important, ils viennent voir leur chum, leur blonde, euh, ils viennent discuter. Alors, pour eux autres, ça les affectait grandement. fait que c'est le genre de dossier. Okay. Mais il y a des coupures aussi dans le système de santé en ce moment. Ils sont affectés. On a à prendre position à dénoncer ces choses-là. Bien, heureusement qu'il y a des gens comme vous qui existent pour... Pour leur donner la parole, parce que sinon, on ne les entendrait même pas, on les écouterait à peine. Vous ne le sauriez jamais. C'est ça, exactement. Je ne le savais même pas. Alors, je suis très contente qu'on en ait parlé un petit peu brièvement, mais quand même. Euh, pour que toutes ces activités-là puissent avoir lieu, donc café-rencontre, cuisine collective, euh, des sorties à l'extérieur, les Olympiques spéciaux, euh, ben, vous créez des, des produits comme ceux-là, qui sont oui. les créations floraphiles. oui. Entre autres, vous pouvez m'en parler un peu de comment ça fonctionne? Création floraphile, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a évolué avec le temps. Avant, ils faisaient euh, des arbres de Noël en cocotte, puis tranquillement, ça s'est en allé vers les marionnettes, puis la broderie. Alors, il y a des artisans qui aiment mieux broder des choses euh, qui sont mises en carte, mais ça prend le talent aussi de la broderie. Quand on voit toute la oui, couture, le détail. petit point euh, il faut qu'ils dé développent leur talent en couture. Pour, euh, tout, puis ils choisissent leur couleur. Euh, des fois, ils choisissent euh, de mettre un nœud papillon qui n'était pas là avant. C'est toute leur créativité qui est là. On les met en valeur avec une étiquette personnalisée. Oui, c'est important de noter aussi, oui. Puis c'est euh, à tous les mercredis, euh, en faisant relâche pour la période estivale. C'est aussi un plateau de stage pour quatre élèves de la classe Défi, qui est la classe régionale en déficience intellectuelle. Ils viennent apprendre à acquérir euh, ben, des notions pour maintenir un travail, arriver à l'heure bien mis, euh, accepter la critique encore une fois quand on recommence un travail. Euh, c'est dans le but d'intégrer le marché du oui, travail. Exactement. Donc, il y a beaucoup de trucs, donc, on, pourrait le, men on le mentionne comme ça. À, donc, on peut parler par rapport à cet organisme-là. Le temps nous manque, mais je veux absolument mentionner Journée Spaghetti, les 4 et 5 décembre, 4 et 5, décembre, 4 et 5 mai. Oui. Les bénévoles sont recherchés euh, si les gens veulent s'impliquer parce que c'est votre activité principale de financement. Oui. Et donc, aussi, euh, tout ce qu'on voyait aujourd'hui, l'inscription au camp de jour, ça peut se faire maintenant oui. aussi. Euh, et on peut aussi louer les donc, si les gens veulent plus d'informations, on vous contacte directement. Oui. Merci beaucoup d'être venu euh, sur notre plateau aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Au retour, on jase de sport. Restez là. Vous aimez nos entrevues et reportages? Je vous invite à aimer la page Facebook Cogeco TV Laurentides.